Donc CAFI, c'est une initiative pour la forêt de l'Afrique centrale et un fonds fiduciaire, donc un grand fonds qui est le plus grand fonds des Nations Unies pour la protection du climat et qui est entièrement consacré à la protection des forêts de l'Afrique centrale et à l'amélioration de la vie des populations en Afrique centrale. Donc le Gabon est un partenaire très important pour CAFI. On a commencé à travailler ensemble en 2017. On appuie plusieurs programmes, par exemple le plan national d'affectation des terres. Et depuis 2 ans, nous avons un programme dans le cadre duquel nous compensons le pays pour les réductions d'émissions. Donc le Gabon est devenu ainsi le premier pays en Afrique à recevoir une compensation de la communauté internationale pour l'absorption que la forêt gabonaise fait chaque année en absorbant le carbone émis par les autres pays et ainsi rendant notre climat plus sain. Ça représente 150 millions de dollars sur 10 ans. Donc ça paraît beaucoup, mais en fait, ça ne représente qu'une fraction de tout ce que les forêts gabonaises absorbent de l'atmosphère chaque année. Vous savez peut-être que 140 millions de tonnes de CO2 est absorbée par les forêts, ce qui est équivalent au retrait de 30 millions de voitures de la circulation chaque année.